You published 6 canciones flamencas antiguas for 2 guitars in 1996, but isn't it more the work of Federico García Lorca? Et non, les 13 chansons de Federico García Lorca n'ont pas été écrites par Federico García Lorca. Elles appartiennent plutôt à un corpus extrêmement populaire en Espagne, dont les auteurs sont inconnus. Why do they often say they're from Lorca then? Federico García Lorca les emprunta à son tour et en fit une harmonisation très simple au piano, puisqu'il était pianiste, qui, portée par son talent et son charme personnel, devint rapidement célèbre, au point de le faire passer couramment pour l'auteur de ses pièces. Mais il serait hasardeux, sinon abusif, de lui attribuer la paternité de ses musiques. Yes, I know. And we only lend to the rich. D'ailleurs, ses chansons avaient déjà été visitées par des musiciens tels que Isaac Albéniz avec la tarara dans Iberia. Falla, avec Los Pellegrinitos, rebaptisé Canción, une œuvre avec un coup de génie à la fin, où il y a une modulation extraordinaire. Avec le sorongo de Manuel de Falla également, dans les nuits dans les jardins d'Espagne. Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca,
los cascos de tu caballo, cuatro joyos son de plata, las manos de mi cariño te están bordando una capa con agremante y alegría y la esclavina de agua. Il est intéressant de voir à propos du Solongo comment Falla, en compositeur véritable, sort complètement du format de la chanson, applique les règles de la composition et joue avec le thème, en modulant, en le présentant en mineur, en variant l'orchestration. Et tenez pour certain que cela constituera une source d'inspiration au moment de jouer le Solongo à deux guitares pour nous. Other authors too? Oui, nombre d'auteurs mineurs qui n'ont fait que mettre sur leur instrument ces thèmes, comme Julián Arcas vers 1860 dans El Paño Moruno et encore d'autres. Repris encore par Falla. So, what's the idea behind writing or rewriting these six old flamenco songs? C'était la première fois que je me lançais à écrire de la musique. J'ai voulu recréer un langage presque fantasmatique. Quel était le flamenco ancien, celui de l'époque de Goya, que l'on voit dans les gravures aux mains des guitaristes populaires? Mais malheureusement, perdu, faute de texte. You say an early flamenco as there is an early or baroque classical music? Oui, un flamenco ancien, imaginaire, qui aurait néanmoins possédé en germe toute la force que lui a donné le XXe siècle, tout en intégrant certains acquis de la musique savante et d'éléments aussi venus, cette fois, du cante rondo, le chant profond. Cante rondo, what does that mean?
J'ai voulu en prendre les caractéristiques techniques bien connues plutôt que le côté sensible ou expressif. So, why did you select only these six songs and why canciones flamencas? Eh bien, aucun de ces six thèmes anciens n'appartient vraiment à un palo ou style flamenco reconnu. D'ailleurs, l'appellation elle-même de chanson, qui n'existe pas dans le monde du flamenco, l'indique. Mon choix a été guidé par leur allure, une certaine ressemblance ou ambiguïté que chacun d'eux présente avec la bolería gitana moderne. Except for Nana de Sevilla. Oui, ici j'ai voulu faire une synthèse de plusieurs palos authentiques, tout en retravaillant, en déformant leur rythme. La nana, c'est-à-dire la berceuse, la sevillana, la sevilla gitana et la solea. Yes, we recognize them well. Oui, toutes ces pistes, même lointaines, permettent alors l'extrapolation que je souhaite, c'est-à-dire avec une sorte de flamenco, pas du vrai flamenco. Yes, sometimes it sounds like real flamenco. There are parts of it that are borrowed, right? Oui, mais cela ne fonctionne pas du tout suivant les schémas traditionnels des guitaristes flamenco. Any technical advice? Il y a très peu de conseils techniques pour l'exécution sur l'instrument, car l'écriture de chacune des guitares est volontairement simple et classique. Néanmoins, j'ai voulu les traiter comme deux guitares égales, et non comme première et deuxième guitare, comme ça se fait souvent, car je déteste la soumission d'un musicien à un autre. Yes, we noticed that the speech of each guitar is presented as a solo. Oui. Could you give an example? Comme exemple très simple et archi-classique, un tout petit détail d'écriture caractéristique. Par exemple, dans Andajaleo, à la mesure 11, ce que joue la deuxième guitare est à première vue un accompagnement systématique, comme ceux habituels de la musique populaire. Néanmoins, je lui ai donné un certain protagonisme. Un protagonisme soliste, je dirais, en reprenant le thème du refrain sur quatre notes, ce qui donne de l'importance à l'accompagnement et une certaine cohérence à l'ensemble. Notez que ce style brisé peut aussi se jouer en trémolo, car le trémolo n'est finalement que ce même style brisé, mais poussé à l'extrême. Andajaleo, according to its title, is a tumultuous piece, full of noise and fury. Oui, c'est certain. Néanmoins, de la mesure 31 à 42, on peut ralentir substantiellement et changer un peu le caractère en pensant au passage du texte de la chanson. Ne va pas au champ, palombe. N'oublie pas que je suis chasseur. Si je tire et te tue, j'éprouverai une telle douleur que ce sera ma propre tombe. El Café de Chinitas presents itself as a challenge, as a duel between the two guitars. C'est certain, mais ne pas oublier à la mesure 45, 46 et 47 de changer diamétralement le caractère et créer une parenthèse, une sorte de petite oasis, en jouant des rasgueados atypiques, très près du chevalet, détimbrés et surtout pianissimo. Any other advice?
L'idée du sorongo, par exemple, est basée sur la lumière, celle qui se dégage des paroles de la chanson elle-même, qui évoque la nuit, la lune, les sanglots d'argent, la blancheur du printemps. Chaque épisode doit avoir son propre éclairage, une lumière particulière, allant du sombre et de l'opaque à l'explosion de la lumière. Mesure 45 également, la deuxième guitare doit veiller à garder toutes les résonances possibles des différentes cordes en harmonique. Ne pas oublier de bien tuiler l'entrée de la première guitare sur la deuxième dans la cadence à la mesure 83. Las Tres Hojas is the shortest, least developed song. C'est juste une pochade, la seule en majeur, pour détendre un peu l'atmosphère entre des pièces plus intenses. Ne pas oublier de bien marquer le mi à la deuxième guitare, comme indiqué sur la partition. À la fin, on peut faire une reprise, revenir à la mesure 49. Nana de Sevilla seems more complex and varied than the others. Comme je l'ai déjà dit, c'est une pièce qui résume un peu tout le style que j'ai voulu recréer. La Nana, mesure 9-18, fait place à la Solea, mesure 20-37. La Sevillana, mesure 49-81, doit être bien contrastée par rapport à l'ensemble de la pièce. La Seguidilla ponctue brièvement la pièce, mesure 12, 19, 38, 43, 82 et 86, et doit être, elle aussi, bien caractérisée. Mesures 13 et 14, ainsi que 16 et 17, bien marquer le rythme, non rétrogradable, distribué entre les deux guitares, pour assurer une certaine symétrie à la phrase. On peut ajouter une reprise entre les mesures 70 et 76. Bien marquer le motif récurrent, sol dièse, la, si, à partir de la mesure 49 à 85. Los Cuatro Muleros is very famous. Do you have anything in particular to say about it? Cette mélodie très ancienne était devenue l'un des emblèmes des soldats républicains pendant la guerre d'Espagne. Avec des paroles nouvelles, ces paroles étaient « Madrid, combien tu résistes sous les bombes ?» Mamita mía, nadie te pasa, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan. À ce propos, aux mesures 64, 65, 68 et 69, l'alzapúa métallique du pouce doit signifier le bruit des fusillades ou des bombes et couvrir ainsi la mélodie. The political dimension was omnipresent in these convulsive times, but should we really necessarily find it in the music? C'est l'image qui nous est restée, et on voit sa trace évidente ici. Je n'évite pas, dans le répertoire de cette époque, une certaine violence.
Je n'oublie pas non plus que dans la fameuse Vie brève de Manuel de Falla, avec sa non moins fameuse danse espagnole qui semble si souriante, si légère, on trouve cette terrible malédiction. Malheur à celui qui naît enclume au lieu d'être le marteau. Los Cuatro Muleros in the printed version looks like a difficult piece. Are there easier alternatives? Peut-être, en effet. J'en propose juste une ici, un peu plus naturelle, que je vous donne aux mesures 91 et 96 à la deuxième guitare. Your six songs would have seduced Federico García Lorca himself. Je ne sais pas, mais j'ai la faiblesse de croire qu'au moins il aurait été heureux d'entendre Los Cuatro Muleros chantés par les républicains espagnols en montant au front pour lutter contre les nationaux catholiques de Franco. Cela même qu'il l'avait fusillé, lui. En tout cas, c'est cette émotion que j'ai voulu montrer, insérée dans cette pièce. Oh yes, I understand. But then, musically speaking, you've revisited them, sometimes a bit rushed. Elles sont seulement nourries par un contrepoint un peu plus complexe que dans le simple flamenco et avec quelques modulations. Rien de révolutionnaire. En tout cas, j'espère que Lorca ne les aurait pas trouvées pleines de contresens et de lacunes. Lui qui écrivait à propos des chansons en général, les chansons sont comme des créatures, de délicates créatures qu'il faut soigner pour que leur rythme ne s'altère en rien. Chaque chanson est une merveille d'équilibre qui peut se briser facilement. C'est comme une pièce de monnaie maintenue sur la pointe d'une aiguille. Les chansons sont comme les personnes. Elles vivent, se perfectionnent et quelques-unes dégénèrent, se défont, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ces palimpsestes pleins de lacunes et de contresens. But isn't it precisely these gaps and misinterpretations that make the mark of a composer to the extent that he invests the popular heritage with his original, atypical, transversal and audacious ideas? Oui. Et c'est tout ça qui justifie in fine de mettre son nom en tête de la partition. Thank you.
Thank you.